Enkill, c'est la solution maison connectée inventée par le roi Merlin, spécialiste de la maison et de l'habitat, qui permet de piloter, scénariser 400 produits de marques et de technologies différentes à partir d'une seule application. Est-ce que vous avez la main, sous la main, c'est la box, c'est le hub ? Voilà, c'est l'orchestrateur qui, c'est la tour de Babel de notre système qui orchestre tout ça et qui parle les différents langages qui existent sur le marché. C'est qu'effectivement, on couvre des usages comme la sécurité qui est important pour l'utilisateur. C'est-à-dire que s'il y a une intrusion, une incendie ou une fuite d'eau, on aimerait bien être au courant. Imaginez qu'il y ait une panne de courant, 10 pannes d'internet forcément derrière, le message n'arrive pas et vous pouvez rien faire. Et c'est le moment où un cambrioleur décide de casser une vitre. Ce serait pas nous. Mais déjà, le désagrément d'avoir une mauvaise surprise et de ne pas interagir à distance, alors que notre promesse est de pouvoir justement interagir à distance. Si on a une inondation, les plombs sautent, il n'y a plus d'électricité à la maison. Absolument. Souvent, ça arrive. Et donc, il existe une technologie dont on va parler, la technologie LoRa, avec un module que nous avons développé avec cette société qui permet d'envoyer, de recevoir des messages qu'il manque de l'internet ou qu'il manque même de l'électricité. Mais ça se plug où, ça ? Ça se plug en dessous, à la place de la trappe ici, à l'intérieur. Voilà, c'est une option qui est vendue 59€, qui n'a pas d'abonnement, donc vous n'êtes pas obligé, toujours pour être simple, de vous abonner à un opérateur télécom. Vous le mettez, et quand vous partez de chez vous, s'il y a un problème, vous êtes tranquillement rassuré. Vous parliez tout à l'heure de connectivité au singulier. La connectivité, en fait, il y a les connectivités, on le voit bien sur vos téléphones, vous avez eu le 2G, le 3G, le 4G, la connectivité, elle s'adapte aux usages. Il se trouve que là, on est dans un monde de l'objet, il n'a pas tellement envie de faire de la haute définition. L'objet, c'est important qu'il dure longtemps, avec des piles, et que la communication soit très robuste. Alors, particulièrement dans l'usage que prend Pierre-Yves, on a besoin d'une connectivité qui va marcher, même si on essaye de la brouiller, et qui fonctionne même s'il n'y a plus de courant à la maison. Donc LoRa est parfaitement adapté à ça. Les messages LoRa sont véhiculés très loin et donc ils sont capables d'atteindre les antennes des réseaux publics. Il y a des réseaux publics LoRa. Et si vous essayez de le brouiller, c'est une technologie qui est dite à large spectre. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser toutes les fréquences. D'accord. Et donc pour brouiller du LoRa, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile que pour brouiller du cellulaire. Non, mais il y a des usages aussi très intéressants pour les villes, par exemple, dans la technologie Deep Indoor. C'est-à-dire que vous avez un émetteur LoRa dans votre appartement, vous pouvez piloter des objets LoRa qui sont à la cave ou au sous-sol. Il y a une capacité à traverser les murs qui est nettement supérieure à d'autres fréquences radio. Avant LoRa, le smart home, ça s'arrêtait à la cuisine. Il existe des réseaux publics LoRa avec des grands opérateurs français qui ont fait des couvertures qui sont à peu près similaires à celles des couvertures cellulaires. Mais LoRa a une technologie en bande libre, c'est-à-dire que dans l'évolution de la technologie, dans l'évolution des offres commerciales, vous pouvez créer votre propre bulle LoRa autour de votre maison. Et ça, c'est des choses assez révolutionnaires. Alors, on fait les annonces une par une, mais ces capacités assez révolutionnaires sont vraiment très, très intéressantes pour la maison de demain, parce que le rayon d'action de votre box de connectivité va passer du rayon d'action qui est aujourd'hui celui du Wi-Fi, une cinquantaine de mètres, à plusieurs centaines, voire plusieurs kilomètres. Et donc, vous voyez que la capacité de collaborer avec vos voisins devient beaucoup plus intéressante.